Bonjour, merci d'avoir regardé le TV sur le canal. Vous pouvez la Sendung auch dauernd sur meiner Homepage www.astridluling.lu gesehen erlauschen. Ich war zu Brüssel den Invité von Europarl TV, dem neuen Online-Sender vom Europäischen Parlament, wo ich Stellung geholt habe zu den Debatten über das Secret Bancaire, die wie die Monster vom Loch Ness immer näher abkommen. Ihr könnt das Interview und an der Woche vom 16. Februar auf www.europarltv.europa.eu gucken und lauschen. Ich habe dazu resümiert, auf Französisch Folgendes gesagt. En ce qui concerne le sujet du secret bancaire, je crois qu'il ne doit pas exister de sujet tabou, mais qu'il faut poser le débat comme n'importe quel débat dans les bons termes et ne pas biaiser. Premier point, y a-t-il un lien de cause à effet entre le secret bancaire et la crise financière incomparable que nous connaissons aujourd'hui? La réponse est clairement non. La crise actuelle n'est pas due au fait que certains pays pratiquent le secret bancaire. Personne ne peut avancer cela sérieusement. Il n'y a pas le commencement d'une preuve à cette théorie fumeuse. Deuxièmement, il faut savoir de quoi l'on parle précisément. D'abord, le secret bancaire est une liberté, une protection de la sphère individuelle. Savez-vous que le secret bancaire est né en 1934 en Suisse pour protéger les épargnants devant le régime nazi en Allemagne? Ensuite, le secret bancaire n'est jamais absolu, ce qui veut dire que cette protection est levée et donc le secret bancaire n'est pas maintenu dans de nombreux cas. Il est vrai que l'étendue de ces cas varie selon les législations nationales et que l'on peut imaginer des évolutions si cela est nécessaire ou justifié. Troisième remarque, il est vrai que l'architecture du système financier international est en train d'être complètement redéfinie. Nul ne sait comment, mais ce qui est clair, c'est que rien ne sera plus comme avant. De grands bouleversements sont programmés. Dans ce contexte, alors que tout bouge et évolue, il serait étrange que mon pays se ferme à toute discussion. J'en conviens bien volontiers. Notre premier ministre luxembourgeois a annoncé être prêt à la discussion dans tous les domaines. S'il s'avère que des problèmes en matière de transparence subsistent, si tous les pays concernés jouent le jeu avec fair play, je peux m'imaginer que certaines choses bougeront. Le problème, c'est que les débats, au lieu d'être techniques, sont politiques et pleins d'a priori. Je vous donnerai un exemple très frappant en matière de fiscalité des revenus de l'épargne. La directive de 2003 est maintenant en discussion parce que la Commission européenne a proposé certains aménagements au système actuel. Mais quels sont les constats après 4 ans d'application? Que le système d'échange d'informations est compliqué, coûteux et inefficace, mais que le système de retenue à la source est simple, peu coûteux et efficace. Malheureusement, il n'est pas politiquement correct que cette vérité soit acceptée comme telle. Il vaut mieux, aux yeux de certains, critiquer ce système et prôner quelque chose qui ne fonctionne pas. Je constate avec intérêt que les États membres
qui pratiquent, eux, la retenue à la source pour leurs contribuables résidents sont de plus en plus nombreux. Ils sont nettement majoritaires dans l'Union européenne. Les États membres ont parfaitement compris que la retenue à la source est la méthode la plus efficace et la plus simple et la moins coûteuse. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas la généraliser dans l'Union européenne? Ce qui est bon à l'intérieur des frontières devrait également l'être au sein du marché intérieur. Donc, moi je dis généralisons le système de la retenue à la source. J'ai fait des propositions sous forme d'amendements dans ce sens en Commission économique et monétaire du Parlement européen. Et je suis curieuse d'entendre et de voir ce que l'on va me répondre à ce sujet, surtout de la part de ceux qui ont introduit le système chez eux, mais qui pourraient ne pas le vouloir chez les autres. Leif Nolaustra, ich hat an einer Sendung am Mond Januar darauf hingewiesen, dass es die Zeit ist, eine globale Strategie zu entwerfen für nationale Interessen, notamment von der Finanzplatz, an diese schwierigen Zeiten zu verteidigen. Wir können uns den vielen und auch komplexen Diskussionen nicht entziehen, die nur am Gang sind. Wir müssen aber erstens die Diskussion an das richtige Licht bringen, wo eine gewisse Objektivität garantiert, dass zweitens sollten wir uns für uns selber ein kohärentes Bild von dem machen, was wünschenswert, aber möglich für uns ist. Am Fall von der Surveillance von den Banken und von den Finanzinstituten als dem Modell von einer purer nationaler Absicht nicht mehr glaubwürdig. Dass auf europäischem Plan oder sogar auf Weltniveau eine Surveillance für die größten Akteure entstehen wird, ist an meinen Augen evident. Hat da Lützburg viel zu verlieren? Nicht unbedingt. Wenn wir es fertig bringen, das System so zu gestalten, dass die Rolle von den nationalen Autoritäten weiter garantiert bleibt. Ein anderes Beispiel gibt es bei der neuen Proposition von der Kommission für den Échange d'Informations zwischen den Mitgliedstaaten gegen Steuerhinterziehung komplett zu reformieren. Also Budgetminister Luc Frieden hat mit Recht betont, dass ein automatischer Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten nicht möglich ist. Diesen hat zur Folge, dass der Sekret bancaire keine Substanz mehr hat und dass das nicht akzeptabel auf keinen Fall. Auf der anderen Seite muss ich sehen, dass der Sekret bancaire nicht absolut zu verstehen ist von keinem, auch nicht von Lützburg. Es gibt schon Fälle, wo die Bankgeheimnisse auch bei uns abgehoben werden. Bestand von der Debatte ist vielmehr, das Fall genäht zu reißen. Als du Handlungsbedarf, dann muss ich das auch an eine genaue Analyse gesehen. Also, die prinzipiellen Diskussionen sind vielleicht interessant, sie haben aber den Nachteil, dass sie endlos und immer in denselben Konditionen geführt werden. Wenn es aber im Detail geht, dann sehen die Sachen nicht unbedingt selbst aus. Wir müssen matt schwätzen und noch matt gestalten. Das bedingt aber, dass er sich erschafft, sich belehren lässt und noch bereit ist zu evaluieren, falls erfordert, falls das sich abdrängt. Von Brüssel aus gesehen steht Lützburg an dieser Problematik unter dem ganz großen Druck. Das ist unverkennbar. Das müssen sich die Leute daheim bewusst sein. Den Innovationsgeist, der früher zu unseren Touren gehört hat, den hat es gefreut. Mehr wie je. Merci, dass ihr mir noch gelöscht habt, und bis die nächste Woche.